Dans ce beau pays de Franche-Comté, il est une petite rivière qui se jette dans le Doubs, en amont de Besançon, c'est le Cusancin. Il est si joli que parfois, il inspire même certains peintres. Le Cusancin se présente sous la forme d'une suite de cascades de tubes séparées par de grandes portions, plus lentes et plus lisses. Un total de 14 km de rivière qui a le profil type de la rivière à truite et surtout de rivière à ombre. Et des ombres ici, il y en a beaucoup. Certains sont assez gros. Pour les attraper, j'ai choisi de pêcher à la mouche artificielle et plus précisément à la nymphe. Mais la vallée du Cusancin recèle une particularité. Dans le petit village de Guyon-les-Bains se trouve une pisciculture où sont élevées la presque totalité des alevins d'ombre destinés au repeuplement des rivières françaises. Donc, cette vallée du Cusancin réunit toutes les conditions pour qu'on puisse dire d'elle, c'est la vallée des ombres. Tout à l'heure, quand je suis arrivé dans cette vallée du Cusancin, eh bien, j'ai fait comme beaucoup de pêcheurs à la mouche avisés. C'est-à-dire que je ne me suis pas précipité au bord de la rivière pour pêcher, mais plutôt pour observer. J'ai soulevé quelques cailloux pour voir quelles étaient les larves. J'ai bien observé quels étaient les insectes qui éclosent dans cette rivière et qui sont pris par les ombres du Cusancin. Je crois que j'ai compris quelle est la nymphe qu'il faut fabriquer pour prendre du poisson ici. En premier, sur un hameçon numéro 16, tige longue, que j'ai préalablement lessé avec du fil de plomb de 4 dixièmes, j'habille la moitié de la longueur utile de la rampe. Je vais fixer en queue quelques fibres de plumes de coq roux, marron également, pour faire ce que l'on appelle les cerques. Voilà. Cet abdomen sera agrémenté de fils de cuivre rose. Ce fil est fixé à l'arrière de la nymphe et sera tout à l'heure enroulé. Ceci pour imiter des annelures. Je vais former ici, au niveau de ce qui simule le thorax, une boule de cuivre rose par des enroulements de fil. Et c'est cette boule de cuivre rose, bien brillante, qui va attirer l'attention des ombres. Car l'ombre est un poisson curieux, et lorsqu'il y a quelque chose qui brille au fond de l'eau, l'ombre se précipite et vient voir. Non seulement il vient voir, mais il vient goûter, et souvent c'est sa curiosité qu'il perd. Et je crois que là, avec ce type de nymphe, à thorax brillant, on devrait leurrer les ombres du Cusancin. Cette main va aller tenter l'appétit du poisson, assez profond hein, quand même, puisque ces poissons partent du fond, observent tout ce qui se passe à la surface, regardent s'il n'y a pas quelques insectes que le courant leur amène, quelques larves. Oh, qu'il est joli! Il me semblait bien qu'il y en avait un gros. Eh bien, il y est. Oh, beau poisson! Beau, beau, beau poisson! Encore un poisson de... Alors, celui-ci doit être 35, quoi. Attention, il va sauter. Il fait ça. Wow. Allez, petit, allez, puisette. Voilà!
Il est vrai que ça a demandé plusieurs années de réflexion et de travail pour réussir à produire une production d'ombre et commun, puisque principalement nous produisons des alevins que nous nourrissons avec du plancton pour les amener à la taille de 8-10 cm à l'automne, taille à laquelle ils sont remis en rivière. Et alors la difficulté a été de trouver la nourriture appropriée à ce genre de poisson, sachant qu'ils n'acceptaient pas de nourriture artificielle. Et nous avons eu la chance de pouvoir développer dans certains étangs du plancton approprié à la taille des poissons. Tout à fait capable de s'adapter à la rivière dans laquelle on... Tout à fait capable de s'adapter puisque actuellement je détiens de nombreuses références sur des cours d'eau de grande partie de la France ou sur des rivières où il n'y avait absolument pas d'ombre au départ. En 5 années d'alvinage successif en ombre et d'automne, nous avons réussi à développer des cheptels d'ombre et avec grande satisfaction puisqu'ils se sont reproduits eux-mêmes et après il n'a plus été nécessaire de faire des apports supplémentaires puisque l'ombre s'est très bien tenue et développée dans ces rivières. C'est une femelle de 6 ans. Il mesure aux environs des 50 cm. L'ombre est un poisson très nerveux, puisqu'il est bien représentatif de sa race, avec les quelques écailles noires, là, ici sur ses flancs. Je pense qu'une femelle de cette taille peut pondre environ entre 800 et 1200 œufs. C'est à partir de 3 ans qu'on peut faire reproduire l'ombre, qu'il se reproduit naturellement en rivière. Alors c'est là le fameux parcours là. Oui, là c'est le parcours mouche en eau qu'il. C'est-à-dire que tout poisson pris doit être mis à l'eau vivant. Ouais, alors, sur le désiobre, il en reste encore une ou deux comme ça. De très grosses. De très grosses. Et aussi pas mal d'ombre, hein, aussi. Il y a une belle population d'ombre ici. Mais là, ils doivent être difficiles à prendre. Mais il n'y a pas de courant. Ils sont assez durs à prendre. Le courant est beaucoup plus lent ici, hein. Ici, il y a un secteur où il y a très peu de courant, étant donné qu'on a une petite retenue de barrage en aval. C'est un secteur à gros poissons, donc. Il y a des gros poissons. Un herbier comme celui-ci, s'il est parfois une gêne pour le pêcheur qui peut accrocher sa mouche ou son leurre dans ses herbes, ce n'est pas du tout une gêne pour la rivière, bien au contraire. En effet, un herbier comme ça, qui d'ailleurs est en train de fleurir, c'est pas vilain du tout au point de vue esthétique, c'est un véritable garde-manger pour les poissons. On voit ici, par exemple, une mouche de mai qui est venue s'échouer ici après avoir éclos. On voit également dans ces herbes, là, une larve de trichoptère, qui sera, elle aussi, nourriture pour les truites. Et puis, un peu partout, il y a des réserves de nourriture pour les poissons petits et gros. Et il y a aussi une chose qu'il faut retenir d'un herbier comme celui-ci, c'est que c'est un refuge pour les alvins, c'est-à-dire les poissons qui sont trop petits pour être en pleine eau, là où les truites risqueraient de les avaler. Commun, soyons-en bien persuadés, ce n'est pas un poisson tout à fait comme les autres. Il suscite émotion et passion. Rien d'étonnant donc à ce que, au début de ce siècle, un des grands maîtres dans l'art de la pêche à la mouche, Léonce de Boisset, ait écrit « Pêcheur d'ombre un jour, pêcheur d'ombre pour toujours ».